Et bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Doki Doki Literature Club Plus. C'est parti pour le poème. Captivité. Évidemment, je rappelle, hein, le plan, c'est Yuri. Ah, l'inconstance, hein. Ouais, mais l'inconstance, elle me fait peur, elle. Pourpre. Enfer. Enfer, c'est peut-être un peu trop direct. Inharmonieux. Bon, Doki Doki, on connaît. Malheur. Doux amer. Hein, hein. Ouais. Aura. Aura, j'ai... Ouais, aura, ça me parlait, ouais. Contamination. Bon, du coup, ça, on sait que c'est pour Natsuki. Praplume. Philosophie. Philosophie, c'était le bon plan. Massacre. Kourou. Souvenir. Kourou. Enveniment. Pour l'instant, on est bon. Tragédie. Je suis sûr qu'il y a un truc si on fait tout, hein, on fait un full. Ah. Oh, bon, voilà. Splendeur. Entropie. À grignotage. Cage. Ambiance, ouais, c'est pas mal. Destin. Horreur. Providence. Bon. 18 sur 20. Bon, ça devrait aller quand même. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Salut Blue. Salut Sayori. T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. J'arrive toujours pas à me faire à l'idée que tu fasses partie du club, c'est tout. Ah. Au moins, c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur. D'un autre côté, t'es pas quelqu'un de difficile de toute façon. En parlant de ça... J'ai un peu faim. Je m'achète quelque chose, tu viens avec moi? Non, merci, ça ira. Hein? Ça te ressemble pas de réagir comme ça? J'ai mes raisons. Écoute, si on regardait ton porte-monnaie à bord? Quoi? Mais pourquoi? Juste comme ça. Vas-y, ouvre-le. Nerveusement, Sayori prend son porte-monnaie. Bien qu'ayant du mal à l'ouvrir, elle finit par y arriver. Elle le retourne et vide son contenu sur le pupitre. Deux petites pièces en tombent. J'en étais sûr. T'es tellement prévisible, Sayori. C'est pas juste. Comment t'as fait pour savoir? Ah, c'est facile. Si t'avais assez d'argent, t'aurais déjà acheté un truc, en fait. Donc... Soit t'as pas faim et tu voulais juste qu'on aille se balader. Soit... on va dire que t'avais oublié que t'avais dépensé tout ton argent. Tu t'es dit, tiens, si je lui demandais au passage... Et je sais très bien que... T'as toujours faim. Toujours. Donc... Ça laisse plus qu'un choix. Mais J'abandonne. Arrête de me faire culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est que tu le mérites, tu sais. Merde. C'était ma voix. Hein, si tu culpabilises, bah tu le mérites. Saloperie. Yuri pousse soudain un petit rire. Hmm? J'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Il faut dire qu'elle était plongée dans son livre, comme d'habitude. Donc... Je n'écoutais pas, hein. C'était un passage de mon livre. Yuri, tu peux dire à Blue de me prêter de l'argent? Putain.
Ne me mêle pas à ça, Sayori. Du reste, tu ne devrais pas dépenser plus que tu n'as. Et franchement, faire des coups bas comme ça, tu n'as que ce que tu mérites. Pardon, tu n'as que ce que tu mérites. Qu'est-ce que je viens de... Je vais pas dire ça. Je suis tellement absorbée dans mon livre que... J'adore quand tu dis ce que tu penses, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est ton côté marrant. C'est... Tu ne me feras pas croire que tu penses vraiment. N'empêche, tu as raison. Je fais quelque chose de mal et il faut que je l'assume. Je l'assure. D'accord. Ah oui, oui. Assume. J'ai pré-shot, quoi, c'est tout. Oui, voilà. Quand même, ça m'étonne de toi, Sayori. On a tous un petit côté diabolique, j'imagine. Dit-elle en me regardant. Te fais pas avoir. Sayori, elle sait exactement ce qu'elle fait. Je veux dire... Hein, elle vous a quand même dit qu'elle me ferait venir ici avant même de m'en parler. Elle avait tout prévu. Mais... Sans les cupcakes, tu serais jamais venu. Pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer. Non mais c'est Sayori. Tu prends pour qui? Soudain, quelque chose frappe Sayori au visage et la fait reculer contre le pupitre. Paf. Ah, oui. Mais, que... Hein? Un cookie? C'est même un cookie géant enveloppé de plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle! Je suis sûr que c'est parce que j'affuble ma bêtise. Assume. Presque. En fait, je comptais te le donner. Et puis j'ai entendu ce que t'as dit pour les cupcakes. La tête que t'as faite, c'était trop marrant. Oh, Natsuki. C'est vraiment gentil. Je suis trop contente. Sayori le serre le cookie contre elle. Allez, c'est bon, mange-le. Sayori déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée. Oh, c'est trop bon. Soudain, Sayori se met la main sur la bouche. Moi, je suis mordu à la langue. Eh ben, que d'émotion pour un simple cookie. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Il a l'air trop bon le tien aussi, Natsuki. Tu me fais goûter? Je te jure. Tu manques pas d'air. Il est au chocolat le tien. Bah oui. Pourquoi tu crois que je t'ai donné l'autre? Bon, d'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci. Sayori se lève et passe derrière Natsuki, puis la prend dans ses bras. Sans ses bras, mais là c'est une erreur de trad, je pense. C'est une erreur de trad. Mais... Ça va, j'ai compris. Son cookie toujours en main, Natsuki essaie de repousser Sayori. Ronf. Soudain, Sayori se penche et mord le cookie de Natsuki. Mais... Non mais je rêve. La bouche pleine, Sayori prend la fuite. Sayori est donc un Pokémon. Avec Yuri, on éclate de rire. Est-ce que tu peux être gamine des fois? Monika, tu peux dire à Sayori que... Tiens. Natsuki regarde autour d'elle. Monika n'est pas dans la salle. Bah... Elle est où, Monika? Bonne question. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle arriverait en retard aujourd'hui? Non, pas à moi en tout cas. Ah, moi non plus. Bizarre. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle va bien. D'avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai, tout le monde lui court après. Hein? Tu crois que... Qu'elle a un... Ça ne m'étonnerait pas. Elle a plus de charme que nous toutes réunies. C'est bien vrai. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. Oh là là, je suis vraiment désolée. Ah, t'es là. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous ne vous inquiétez pas. Vous voyez, finalement, Monika préférait venir au club plutôt que de traîner avec son copain. Quelle volonté, je t'admire. Mon copain? Mais de quoi est-ce que tu parles? Monika me lance un regard interrogateur. Laisse tomber, t'inquiète. Mais pourquoi t'es en retard, en fait? Ah, j'ai fini la journée en perme. Je n'ai pas vu passer l'heure. Ah. Comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner? Non, je faisais du piano. Du piano? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monika. En fait, pas vraiment. Je viens à peine de commencer. J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. C'est trop cool. Tu devrais nous jouer quelque chose?
c'est... Monica me lance un regard. Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas? Génial. C'est cool. J'ai hâte d'entendre ça, moi aussi. Vraiment? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Blue. Monica me sourit gentiment. J'ai pas dit ça pour te mettre la pression, hein. T'en fais pas. Je me suis beaucoup entraînée ces derniers temps. Quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter. Ok. Bah, bon courage, alors. Merci. Sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand-chose. Des histoires de cookies. Je préfère éviter de lui parler du petit compte monté de Sayori. De toute façon, Natsuki finira sûrement par s'en plaindre. Tout le monde a déjà l'air de s'être installé. Sayori a même réussi à terminer son cookie. Yuri s'est replongé dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard. Yuri? Hein? Ah. Je remarque que Yuri lit un livre différent de celui qu'on a commencé à lire ensemble. Désolé, je voulais pas t'interrompre. Non, t'inquiète pas. En fait, je t'attendais. Ok, ok. Alors, pourquoi on s'y met pas tout de suite? Pardon, l'enchaînement de phrases me fait rire, c'est tout. D'accord. En fait, j'ai quelque chose à te demander. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Absolument pas. Merci beaucoup. S'il y a bien une chose qui rend mes lectures plus agréables ici, c'est une bonne tasse de thé. J'en ferai une pour toi aussi, bien sûr. Yuri se lève et va dans le placard. Je la suis et la regarde prendre une petite carafe filtrante sur l'étagère. Tu peux tenir ça une seconde? Pas de souci. Yuri me tend la carafe et prend aussi une bouilloire électrique. Je vais la brancher sur le bureau de la prof. On ira chercher de l'eau ensuite. Elle passe devant moi et pose la bouilloire sur le bureau de la prof. Je me contente de l'observer. À ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa façon de parler. Ses longues jambes y sont pour beaucoup, mais Yuri semble élégante et méthodique. Tu peux me donner la carafe? Merci, je reviens tout de suite. Je pourrais venir avec toi, non? Oui, pourquoi pas. On y va alors? Ok. Où est-ce que vous allez tous les deux? On est juste... Yuri, elle veut faire du thé, du coup... Je me rends soudain compte que je suis incapable d'expliquer ça à Monica sans que ça ait l'air bizarre. On va juste remplir la carafe d'eau. Ah, d'accord. Désolé, c'était juste par curiosité. Mais vous avez l'air... Vous avez vraiment besoin d'être deux pour faire ça? Monica, occupe-toi de tes affaires pour une fois. À moins que tu trouves que c'est une mauvaise idée de te faire participer Blue aux activités du club? Que... quoi... Je reste bouche bée. J'imagine qu'il n'y a rien de mal à ça. Allez, viens, Blue. Yuri se dépêche de sortir de la pièce et je la suis. Une fois dans le couloir, elle appuie tout à coup son front contre le mur. J'ai parlé sans réfléchir. Comment j'ai pu dire un truc pareil? Yuri. C'est juste que... J'ai pas vraiment apprécié sa façon de nous interroger. Ça m'a... énervé. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Hé, Yuri. Je pense que t'as bien fait, hein. Je l'entendais pas du tout, mais... C'est pas correct de la part de Monica de juger les gens comme ça. Blue. Pourquoi même quand j'agis mal, tu es gentil avec moi? Parce que... Rien de ce que tu fais n'est aussi mal que tu le crois. Personne n'est parfait. On a tous des émotions et on peut pas toujours les dissimuler. Mais t'amplifies toujours les choses dans ta tête, en fait. Donc, ton esprit transforme une simple bruine en véritable tempête. Ah. Non. Tu me détestes pas d'avoir commis une chose si grave? Pourquoi je te détesterais? Je peux pas détester quelqu'un parce qu'il ressent des émotions. Quel genre d'ami ferait ça? Un ami, tu dis. Yuri lève la tête. Blue, j'aime beaucoup être amie avec toi. Merci, Yuri. Moi aussi, j'aime bien être amie avec toi. L'auto-friendzone, ma gueule. Je me sens mal à l'aise en disant ça. Mais je fais tout mon possible pour réconforter Yuri. Bref. Oui. On y va? C'est parti. On va à la fontaine à eau la plus proche.
Une fois la carafe d'eau remplie, on retourne dans la salle du club. Dis-moi, Blue, tu aimes le thé oolong ? Ouais. C'est celui que tu veux, Samira. D'accord. Yuri règle la température de la bouilloire sur 90 degrés. Maintenant, prenons la théière. Tu fais ça vraiment bien, dis donc. Bien sûr. Je ne fais jamais les choses à moitié quand je prépare du thé pour les autres. Même si je suis pas un expert en thé ? Oui. Comme ça, tu n'en seras que plus impressionné. Peut-être bien. Yuri prend la théière et commence à mesurer la quantité de feuilles de thé nécessaires. À ma grande surprise, elle se met à fredonner doucement. On dirait que t'es de bonne humeur maintenant. Ah bon ? C'est ce que je laissais transparaître. Et tu l'as remarqué. J'ai bien réfléchi. J'ai décidé d'être un peu plus expressive. En fait, ce n'est pas si difficile que ça pour moi. Quand je suis avec toi, dis-moi. C'est super, Yuri. Enfin, vas-y à ton rythme, hein. T'inquiète, c'est pas la peine d'en faire trop d'un coup non plus. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Blue. Tu es vraiment attachant. C'est... Je plaisantais pas, dis donc. Je sais jamais sur quel pied danser avec elle. C'est terrible. Ils ont cachetisé les dialogues. Je regarde Yuri nous servir une tasse de thé. J'ai autre chose à te demander, Blue. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui ? Pourquoi tu veux t'asseoir par terre ? Ça soulagerait un peu mon dos. C'est plus confortable pour moi de lire en étant adossé au mur qu'en me penchant au-dessus de mon pupitre. Oh pardon, je savais pas. C'est rien. Je souffre de douleurs chroniques au dos, alors je fais de mon mieux pour les atténuer. Ah. Et ça vient d'où ? C'est sûrement à cause de... Ta posture, c'est ça ? T'es toujours courbé quand tu lis. Oui. J'ai une très mauvaise posture quand je lis. C'est pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Ok, ça va. J'allais chercher le livre. Je prends le livre dans mon sac. Ah, j'ai des chocolats aussi. C'est un sachet de petits bonbons en chocolat que je garde à l'abri du radar à bonbons de Sayori. Je les prendrai aussi. Ça ira bien avec le thé. Je m'assois contre le mur avec Yuri et nos tasses de thé à côté de nous. Comme si on était en phase, on prend la même position de lecture que la dernière fois, en tenant chacun à côté du livre. Sauf que cette fois, on est encore plus proches l'un de l'autre. Je ne vois pas très bien. Yuri se rapproche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comment je suis censé me concentrer sur la lecture, moi ? J'ai toujours trouvé que Yuri était plutôt mignonne, mais... quand elle est plus entreprenante, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à résister. Tiens, ta tasse. Yuri me tend la tasse de thé. Avec une main qui tient le livre et l'autre qui tient la tasse, je me retrouve dans une position qui m'empêche encore plus de me concentrer. Parce que maintenant, je dois faire attention à ne pas toucher sa poitrine par accident. De son côté, Yuri n'a absolument rien remarqué. Son regard est plongé dans le livre, et j'imagine que le monde qui l'entoure a complètement disparu. Je rassemble toute ma volonté pour me concentrer sur le livre. Au bout de quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je pose la tasse entre mes jambes et je commence à batailler avec l'emballage des chocolats. Pardon. Je lâche brièvement le livre pour finir d'ouvrir l'emballage. Prends-en autant que tu veux. C'est gentil, mais j'en veux pas. Ah, t'es sûr ? C'est-à-dire que... si j'en prends, je risque de tâcher les pages. Effectivement, tu as raison. J'y avais même pas pensé. Désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je vais tenir le livre, d'accord ? T'es sûr ? Oui, aucun problème. Yuri ouvre le livre des deux mains. Ils ont pas changé, ou... enfin, peut-être qu'ils ont un peu changé l'image, mais... mais globalement, en tout cas, c'est plus ou moins le même... Quoi qu'il n'y avait pas les particules déjà. Je pense que du coup, les yeux ont changé. Alors c'est vrai que j'ai enlevé le curseur du coup. Parce que je me suis dit que bon, c'était pas forcément très utile. Mais c'est vrai que là du coup, vous ne voyez pas, mais le curseur est sur les... Yuri ouvre le livre des deux mains. Elle le tient de façon à ce que je ne puisse le lire sans problème. Mais du coup, son bras gauche est quasiment posé sur ma jambe. Bon, dans ce cas... Yuri s'est déjà replongé dans la lecture. Je prends un chocolat et le mets dans ma bouche. Puis j'en prends un deuxième, et je le tends à Yuri. Elle ne quitte pas, même pas le livre des yeux. Elle se contente d'entrouvrir les lèvres, comme si la situation était on ne peut plus naturelle. Et ça veut dire que je dois maintenant aller jusqu'au bout. Avec appréhension, je lui mets le chocolat dans la bouche. Puis elle referme la bouche tout aussi naturellement. L'expression de Yuri change soudainement. Est-ce que...
Je n'ai quand même pas de... Yuri me regarde comme si elle voulait que je lui confirme ce qui venait de se produire. Blue ? Pardon. Je crois que j'aurais pas dû faire ça. C'est... Tu voulais juste m'aider ? C'est ce que les amis font ? Pas vrai ? Pas vraiment dans ce genre de contexte, mais... Ouais. Oh, il a pas de sous-entendu, hein. D'accord. Pourquoi il dit ça ? Mais quel connard ! Bon. Tu peux continuer alors. Ok. La situation est devenue carrément tendue. Yuri essaye de reprendre la lecture. Mais rien qu'à son expression, je sens bien qu'elle n'est plus aussi concentrée non plus. Mon cœur bat à tout rompre. Je prends nerveusement un autre chocolat entre mes doigts. Mais cette fois, le regard de Yuri croise le mien. Comment on en est arrivé là ? Yuri soutient mon regard. Je remarque que sa poitrine bouge au rythme de ses respirations. Je lève le bras. Comme avant, Yuri entrouvre les lèvres. Mais c'est différent cette fois. Je prends le chocolat et le mets dans sa bouche. Je sens son souffle chaud sur mes doigts. C'est un peu plus loin, je crois, que dans le jeu de base. Votre attention, tout le monde. Yuri se recule brusquement. Il est temps de partager nos poèmes. Lou, tu peux aider Yuri à débarrasser le thé ? Ouais. Bien sûr. La transition est toujours aussi bien faite, je trouve. Ok, merci. La magie s'est subitement envolée. Je vais m'occuper des tasses. Ouais. Yuri ramasse les tasses qui sont par terre. Je prends le sachet de chocolat. On se dépêche de tout ranger sans s'adresser la parole. Quelque chose me dit que c'est un sujet qu'aucun de nous deux aura le courage d'aborder. À qui je montre mon poème en premier ? Terrible question. Bon, mais on va commencer. Bon, voilà. On va commencer par la bro. Non, mais Natsuki, finalement, c'est un peu la bro. J'aime bien la charrier, quoi. Voilà, c'est vrai que. C'est le genre de personne. C'est pas que je la déteste, absolument pas. Comme je l'ai dit, je l'aime bien, en vrai. Mais j'adore me. j'adore me foutre de sa gueule. C'est tout. Comme elle est agressive, j'ai envie d'être agressif avec elle. Genre, je suis en mode. Qu'est-ce que t'as ? Voilà. De toute façon, là, elle va encore me dire ah, c'est de la merde, nanana, t'écris des trucs philosophiques, nanana, Yuri, nanana. Je veux dire, voilà. Bah, vous allez voir, de toute façon. Je dois reconnaître qu'il y a du mieux. Oh ! Ça fait plaisir de voir que tu mets du tien. C'est cool. Mais j'espère pour autant que ça me plaît. Ton texte a tendance à être trop sérieux, on sent que c'est pas naturel. Comment ça ? Le style d'un poème n'a pas forcément besoin d'être profond pour exprimer quelque chose. Ça donne juste l'impression que t'en fais trop, à moins que tu sois vraiment doué. Franchement, essaie même pas d'écrire des poèmes de ce genre tant que t'as pas le niveau de Yuri. Natsuki s'arrête brusquement de parler. Me dis pas que... Quoi ? T'essayes pas d'impressionner Yuri ici ? Qu'est-ce que tu racontes ? Moins fort. Tu sais qu'Yuri adorerait ce genre de texte sombre. C'est pas parce qu'elle est douée pour l'écriture que je... On dirait que je vais avoir des problèmes. D'une façon ou d'une autre, j'ai touché un point sensible et la situation me dépasse complètement. J'en ai ma claque de toi. Natsuki me tend mon poème d'un geste brusque. Reprends ton poème à la noix. Si tu l'as écrit pour quelqu'un d'autre, ça sert à rien de me le montrer. Tu vas fort quand même là. Ça m'apprendra à laisser une fille plus jeune de se mêler de mes affaires. Non mais ah oui, cette phrase est toujours aussi fausse par contre. Cette phrase me trigger toujours autant. Genre parce qu'on rappelle que un jour avant, il disait « Oui, l'âge c'est pas grave. Hein. » Enfin, en mode « C'est pas l'âge qui fait la mentalité. » Donc il se contredit derrière. Ça l'a pris. À moins d'être devin, je ne pouvais pas deviner que ça allait finir en autre boudin. Heureusement, c'est pas Natsuki qui cherche à impressionner, donc bon, c'est pas grave, quoi. C'est Natsuki, de toute façon, quoi. Ah oui, elle me montre même pas son poème, cette saloperie, là.
Oui, bon, d'accord. Sayori. Oh! J'aime bien ce poème, Blue. Il transmet de très bonnes émotions. Tant mieux. C'est-à-dire que c'est mieux qu'hier? N'est-ce pas réfléchir? Je sais pas. Je pense que j'aime bien les deux. Ça m'aide pas beaucoup. Bon, je suis pas très douée pour juger la qualité d'un poème. C'est pour ça que j'y vais au coup de cœur. Si un poème procure des émotions, c'est qu'il doit être bon. Ça, je sais pas si ça marche vraiment comme ça. Mais d'un autre côté, je pense que provoquer des émotions, c'est un aspect très important. Oh oui, il dit ça dans sa tête. Enfin, je dis ça dans ma tête, là, mais... Peut-être, oui. Franchement, je sais même pas quel type de poème tu préfères. Tu sais quoi? Moi non plus. Yes. Et t'as pas envie d'y réfléchir un peu? Oh, tu veux écrire quelque chose pour moi? C'est trop chou. Dis pas des bêtises. Mais tu penses toujours aux autres. Tu devrais penser à toi de temps en temps. Sinon, tu pourrais finir par te faire du mal un jour ou l'autre. Vite. Saloperie. Quoi? Je vois pas vraiment de quoi tu parles, mais je tâcherai de m'en souvenir. Ouais. Et donc, voyons. Je pense que j'aime bien les poèmes joyeux. Ah, mais des fois, j'aime bien les poèmes tristes aussi. Et d'autres fois, j'aime bien un mélange des deux. Il y a un mot pour ça, non? C'est quoi déjà? Ah oui, doux amer. C'est ça. J'aime les choses joyeuses et les choses tristes. Joyeuses et tristes. J'ai mal à croire que tu puisses aimer les choses tristes, Sayori. Je préfère les choses joyeuses. Mais des fois, quand un petit nuage de pluie nous traverse l'esprit, un poème triste peut faire un petit câlin à ce nuage. Et laisser place à un joli arc-en-ciel joyeux. C'est carrément poétique ce que tu dis là. C'est vrai. Peut-être que j'arrive mieux à exprimer mes sentiments finalement. Merci Blue. Je devrais noter ça quelque part alors. Tu peux lire mon poème maintenant, d'accord? Les bouteilles. Mais oui, c'est Bottle. Comment? C'était quoi le nom? Au secours, le nom de ce poème. C'est des pensées dans des flacons. Mais j'ai plus le nom en anglais. Je pense, hein. Oui, je crois que c'est... Oui, c'est ça. J'ouvre mon crâne comme le couvercle d'un bocal à biscuits. C'est le jardin secret où je conserve tous mes rêves. De petites boules de soleil qui se frottent les unes aux autres, comme une portée de chaton. Je plonge mon pouce et mon index à l'intérieur, et en ressort un rêve. Il est tout chaud, il picote. Il n'y a pas de temps à perdre. Je le mets à l'abri dans une bouteille. Je pose la bouteille sur l'étagère, à côté des autres. Une pensée joyeuse? Plein de pensées joyeuses alignées dans des bouteilles. Bon, ouais, c'était qui était traduit à pensée positive. J'avoue que je préfère enfin, c'est une question d'habitude pour des pensées positives, alignées dans des bouteilles. J'ai des tas d'amis grâce à cette collection. Chaque bouteille est une occasion de se racheter. Parfois, mes amis ont le bourdon. Alors je sors une bouteille pour y remédier. Nuit après nuit, toujours plus de rêves. Ami après ami, toujours plus de bouteilles. Mes doigts s'enfoncent un peu plus à chaque fois. Comme si j'explorais une grotte sombre pour découvrir les secrets qui se cachent dans les recoins. Je creuse et creuse. Je gratte et gratte. Sur mes bouteilles, j'enlève la poussière. Le temple semble s'être figé. Il reste de la place sur mon étagère. Mes amis m'attendent derrière ma porte fermée. Enfin, c'est fini. J'ouvre et mes amis entrent. Ils se précipitent à l'intérieur. Ont-ils tant besoin que ça de mes bouteilles? Je les prends frénétiquement sur l'étagère, l'une après l'autre. Puis je les tends à mes amis. Toutes mes bouteilles. Mais chaque fois que j'en offre une, elles se fracassent à mes pieds. Mes pensées joyeuses, plein de pensées joyeuses éparpillées sur le sol. Elles étaient destinées à mes amis. Mes amis qui ne sourient pas. Ils sont tous en train de crier, de se plier. Je ne comprends pas. Tout ce que j'entends, c'est un bruit qui résonne. Résonne, résonne, résonne. Dans ma tête. Yes. Il a été remanié en tout cas. Mais enfin, il y a plus de lignes, je crois. Mais c'est marrant, c'est un des... Enfin, c'est marrant, je sais pas si c'est random ou pas, du coup, encore sur l'attribution des poèmes, au début. Pour l'instant, on tombe que sur des poèmes que je connais et qui me semble que j'avais eu dans le premier Let's Play. Et notamment bah, celui-là, qui est un de mes poèmes préférés du jeu. En tout cas, qui est un de mes poèmes préférés du jeu de base. La vache. Sayori, c'est toi qui as écrit ça?
Ben oui. Hier, je t'ai pas dit que j'allais écrire le meilleur poème du monde? Sûrement, oui, si, mais... Enfin, venant de toi, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Monica m'a appris plein de trucs. Et puis, ces derniers temps, mes sentiments sont à fleur de peau. Je vois ça. C'est presque flippant. Flippant? Pas exactement flippant, mais... Peut-être parce que je suis habitué à ta gaieté. Laisse tomber, c'est pas grave. Je réfléchis trop. En tout cas, c'est très réussi. Tu peux en être fier, hein. Merci. J'ai l'impression que... ce mode d'expression est fait pour moi. Ça m'a même aidé à mieux comprendre mes propres sentiments. L'écriture, c'est magique. Ça te passionne vraiment, hein. J'espère que tu continueras comme ça. Oui. J'adore les poèmes. Je continuerai à en écrire jusqu'à ma mort. Calme-toi, Sayuri. S'il te plaît. Sayuri a toujours été du genre à se lancer à fond dans quelque chose avant d'abandonner au bout d'une semaine. Putain, j'ai tellement envie de parler de ce personnage de Sayuri. C'est terrible. Je me demande si ce sera le cas au jeu cette fois-ci. Mais en juger par la passion qui émane de son regard, j'ai envie d'être optimiste. Ouais. Salut, Blue. Alors, comment ça se passe avec les poèmes? Bon, ça va. Natsuki, elle a pas voulu montrer son poème parce que elle aimait pas trop le mien. Sayuri, elle a bien aimé mon poème, mais elle a plus ou moins dit qu'elle aimerait bien tous mes poèmes, en fait. Donc, pas très objective. Ça va. Pas encore vu Yuri. Ça me va. Tant que ça reste positif, je suis ravi de voir que tu t'appliques. Peut-être que tu écriras un chef-d'œuvre d'ici peu. Voilà, ça m'étonnerait quand même. On ne sait jamais. Tu veux me faire lire le poème que tu as écrit pour aujourd'hui? Ok, tiens. Je donne mon poème à Monica. Voyons ça. Ce poème est super. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que ton style qui s'améliore. Ton utilisation des images est bien meilleure que le précédent. Simple curiosité. Est-ce que tu t'es inspiré du style d'écriture de Yuri? Peut-être... Ouais, un petit peu. Juste un peu. Elle a un talent indéniable. Voilà, c'est normal de s'inspirer de... Voilà, très talentueuse. Tout à fait. Je trouve que ses poèmes sont les plus... romantiques. C'est le mot. Alors, j'ai pas encore vu le poème du jour, hein, de Yuri, mais... Bon, là tu le défends bien, mais d'accord. Parce que c'est pas forcément comme ça que je le voyais. Quand elle prend un stylo, elle devient une toute autre personne. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Pareil quand elle se met à parler littérature, c'est comme si elle rayonnait. C'est clair. Par contre, c'est difficile d'avoir une conversation personnelle avec elle. Crois-moi, j'ai essayé. Qui sait ce qui se passe dans sa tête? J'espère que tu dis pas ça méchamment. Non, pas du tout. J'aimerais juste qu'elle ne soit pas si réservée. Mais bon, vu comme tu prends sa défense, on dirait qu'elle te plaît beaucoup. Non, mais tu te plantes, Monica. C'est complètement... Non! Absolument pas. Du calme, je vais plaisanter. En plus, je suis prête à parier qu'elle a déjà un copain. Sérieux? Oui, un copain imaginaire. Monica me murmure cette dernière phrase. Ce n'est qu'une intuition, mais... Il n'y a pas de mal à ça. Je sais. C'est ça comme ça. Ne rien dire. Non, en vrai... Si, je peux quand même dire un truc. Que cette phrase peut avoir... La phrase qu'elle nous a sortie avant peut avoir un double sens, en vrai. En fait, mais bon, bref. Et sinon, tu veux lire mon poème maintenant? Je suis assez fier de moi, alors j'espère qu'il te plaira. Bah vas-y, fais voir. Non mais, c'est Riged. C'est Riged, je les connais tous ces poèmes là. Sauvegarde-moi. Les couleurs, elles ne s'arrêtent pas. Ces couleurs belles et brillantes, éclatantes, expansives, perçantes. Rouge, vert, bleu. Une éternelle cacophonie,
de bruit, insignifiant. Le bruit ne s'arrête pas. Ces ondes violentes et grinçantes, criardes, stridentes, perçantes, sinus, cosinus, tangentes, comme une craie qui grince sur une platine, comme un vinyle qui tourne sur une pâte à pizza. Un éternel poème d'insignifiance. Charge-moi. Pas moi, le jeu il me dit charge moi, je fais charger hein. C'est encore un peu, c'est encore plus abstrait que ton dernier poème, non? Je pense que c'est juste ma façon d'écrire. Désolé que ça ne te plaise pas. C'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que j'avais jamais vraiment vu ça avant. J'aime bien jouer avec la place dont je dispose sur la feuille. Le choix de l'emplacement des mots peut totalement changer l'ambiance d'un poème. C'est un peu comme de la magie. Le fait d'écrire des vers très courts donne l'impression qu'ils essayent de se faire entendre au milieu du bruit. Je vois. Mais ça m'aide pas vraiment à comprendre de quoi parle ce poème. Parfois, ça ne sert à rien de chercher à savoir de quoi parle un poème. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'un sentiment. Ça peut être aussi une conversation avec le lecteur. Alors, vu sous cet angle, les poèmes ne parlent pas tous de quelque chose. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, tu devras prendre des décisions difficiles. Dans ces cas-là, n'oublie pas de sauvegarder la partie. On ne sait jamais, tu pourrais finir par changer d'avis. Ou un événement inattendu pourrait se produire. Ça concerne l'écriture, ce conseil? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Et là, c'est le moment où Monica elle commence à devenir flippante. Mais bon, voilà, voilà. Voyons ce que t'as écrit pour aujourd'hui. Yuri regarde le poème d'un air stupéfait. Ça te plaît? Blue, je crois que ton poème est encore meilleur que celui d'hier. Comment est-ce que t'as fait pour progresser aussi vite? Rien qu'hier, je parlais des techniques que tu pourrais essayer. Bah, c'est peut-être pour ça que... Enfin, comme t'as super bien expliqué, j'ai bien progressé. Je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de plus imagé. Oh. Yuri avale sa salive. Même ses mains ont l'air moites. Je n'ai pas l'habitude. L'habitude de quoi? Je sais pas trop. T'inquiète, prends ton temps. Yuri prend une profonde inspiration et essaye de rassembler ses esprits. Je sais qu'elle aime réfléchir avant de parler, alors je peux bien faire preuve d'un peu de patience. Oui. Je n'ai pas l'habitude qu'on m'apprécie comme ça. Ça va sûrement te sembler stupide. Mais voir une personne motivée par mes textes, ça me rend... très heureuse. T'es quand même pas en train de me dire que t'as jamais fait lire tes textes à quelqu'un, si? Yuri acquiesce. Sérieux? J'arrive pas à y croire. En fait, je n'écris que pour moi. En plus, les gens se moqueraient de moi. Tu penses vraiment? Yuri hoche à nouveau de la tête. Bah... même tes meilleurs amis? Yuri ne répond pas. Je me demande bien pourquoi. Bref, tu veux que je lise le poème que t'as écrit aujourd'hui? Oui. Avec plaisir. Si c'est avec toi. Le raton laveur... Alors après, c'est peut-être possible que j'ai vu, je les ai tous... Non mais il me semble... Enfin, faudrait que je revérifie dans le let's play ce qu'on avait eu. Hein. Mais pour moi, on avait vraiment eu ces poèmes-là et techniquement, il y a des chances que ce soit pas le cas, il me semble. Hein. Il me semble. Bref, le raton laveur. C'est arrivé en pleine nuit alors que je coupais du pain pour assouvir une faim inavouable. Le trottinement d'un raton laveur au dehors a attiré mon attention. C'était, je crois, la première fois que je remarquais que j'avais de curieuses manies pour une humaine. J'ai donné un morceau de pain au raton laveur, parfaitement consciente des conséquences. Un raton laveur que l'on nourrit reviendra toujours en demander plus. La beauté alléchante de mon couteau était le symptôme. Le pain, ma curiosité insatiable. Le raton laveur, une pulsion. La lune s'élève dans le ciel, et sa lumière se reflète d'autant plus sur la lame de mon couteau.
Cette même lueur brille dans les yeux de mon ami, le raton laveur. Je tranche le pain, frais et moelleux. Le raton laveur commence à saliver. Ou peut-être projetais-je moi simplement mes émotions sur l'animal repu. Le raton laveur s'est mis à me suivre. On peut dire que nous nous sommes habitués l'un à l'autre. Le raton laveur a de plus en plus souvent faim. Alors mon pain est toujours à portée de main. Chaque fois que je brandis mon couteau, le raton laveur salive d'impatience. Un coup de sang. Un conditionnement pavlonien classique. Je coupe le pain. Et je me nourris une nouvelle fois. Je fais preuve d'un peu plus d'audace dans ce poème par rapport à celui d'hier. Je vois ça. C'est beaucoup plus métaphorique. Je sais pas si ça vient de moi, mais j'arrive pas à voir de quoi ça parle. C'est compréhensible. Il se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré. Le poème, c'est comme une toile que j'utilise pour représenter des images frappantes et ainsi transmettre des émotions. Forcément, si je prends ça au pied de la lettre, je risque pas de comprendre. Eh bien, je pense que c'est quelque chose que chacun interprète à sa manière. Je voulais exprimer ce que je ressens quand je m'adonne à mes passions les plus inhabituelles. C'est le genre de choses que je suis généralement forcé de garder pour moi. Alors parfois, j'aime bien écrire des poèmes à ce sujet. Pourquoi tu parles à personne de tes hobbies ? Parce que c'est gênant. Et les gens se moqueraient de moi. T'as pas de hobby inavouable, toi, Blue ? Sûrement. Je crois qu'on a tous notre petit jardin secret. Le mieux à faire, c'est de reconnaître qu'on est tous différents et de se respecter les uns les autres. Même si ce n'est pas toujours simple et que certaines choses nous mettent mal à l'aise. Après tout, si je n'avais pas appris à accepter mon côté bizarre, je crois que je détesterais qui je suis. Ah, je crois que je m'égare là. Mais je suis contente de voir que tu sais écouter. Encore une qualité que tu possèdes. Après l'écriture, l'écoute. Des gens comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Exagère pas non plus. C'est sincère. J'aurais jamais cru que je serais si à l'aise pour partager mes textes. Maintenant, j'ai presque hâte de le faire. C'est un sentiment agréable. Et tu y es pour beaucoup. C'est pas grand-chose, vraiment. Yuri me lance un sourire sincère. L'espace d'un instant, sa timidité semble disparaître. Votre attention, tout le monde. Je crois qu'on a tous fini d'échanger nos poèmes, non ? Aujourd'hui, j'ai prévu de faire d'autres choses, donc si vous pouvez tous venir vous asseoir au premier rang. C'est à propos du festival ? En quelque sorte. Pff, faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival ? Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine ? On va juste se taper la honte. Ça risque pas d'attirer de nouveaux membres. J'avoue que ça m'inquiète un peu, moi aussi. Je suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute. Ne vous inquiétez pas. On va faire quelque chose de simple, d'accord ? On aura juste besoin de quelques décorations. Sayori s'occupe des affiches et j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement. Ok, tout ça, c'est super. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on va faire pour l'événement lui-même. Oui, désolé, je croyais vous en avoir déjà parlé. On va faire un spectacle. Un spectacle ? Quoi ? Monica ? Eh oui, on va présenter un spectacle de poésie. Chacun de nous va choisir un poème à réciter. Et ce n'est pas tout, on va aussi permettre aux gens de se joindre à nous pour réciter des poèmes. Sayuri l'a indiqué sur les affiches au cas où certains voudraient se préparer un peu à l'avance. Sayuri, qui était en train de colorier une affiche, nous montre son travail. Tada ! Non mais t'es sérieuse là ? T'as quand même pas commencé à coller ces affiches là partout, j'espère ? Si. Tu crois vraiment que c'est une mauvaise idée ? Non. C'est pas une mauvaise idée. Mais j'ai pas donné mon accord, moi. Pas moyen que je récite des poèmes devant tout le monde, devant une foule de gens comme ça. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais je pourrais faire ce genre de choses. Rien qu'à l'idée, Yuri secoue la tête terrifiée. Écoutez, laisse ça Yuri. Je comprends leur réaction. N'oublie pas qu'il y a quelques jours à peine, Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leur poème avec qui que ce soit. Leur demander de les réciter à haute voix devant une salle pleine de monde, c'est beaucoup exigé d'elles. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Je suis désolé. Mais... je crois qu'on devrait quand même essayer. C'est nous seuls qui sommes responsables du destin de ce club. Et si on réussit tous à donner un bon spectacle, ça pourra en inspirer d'autres à faire comme nous. Plus il y aura de monde à monter sur scène, et plus on pourra montrer aux gens ce qu'est la littérature. Ouais. On leur montrera qu'elle permet d'exprimer ses sentiments. De mieux se connaître soi-même. De s'ouvrir de nouveaux horizons. Et surtout de s'amuser. Exactement. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on fait partie de ce club. Vous ne voulez pas partager ça avec d'autres gens ? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici ? Je suis sûr que oui.
on en a tous envie. Et s'il suffit pour ça de se tenir 2 minutes sur une estrade pour réciter un poème, alors je sais qu'on en est tous capables. Natsuki et Yuri ne répondent pas. Sayori a l'air inquiète. De mon côté, j'ai plus trop le choix. Bon, d'accord, ok. Ça devrait être faisable. Sayori et Monika se sont vraiment démenés pour trouver de nouveaux membres. Bon, le moins qu'on puisse faire, c'est de les aider un peu. Ouais, d'accord, admettons, mais... Natsuki semble être à court d'arguments. Bon, d'accord. Je vais essayer de prendre sur moi. Génial. Ouf. Merci, Natsuki. Et toi, Yuri? L'air abattu, le regard de Yuri passe d'un visage à l'autre. Je crois que j'ai pas le choix. On est toutes d'accord, alors. T'es la meilleure, Yuri. Je crois que ce club finira par avoir ma peau. Mais non. Tout se passera bien, Yuri. Et donc, passons à notre activité principale. Je veux que vous choisissiez un des poèmes que vous avez écrits. On va s'entraîner à les réciter devant les autres. C'est pas moyen. Monika, là, tout de suite. Si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les autres membres du club, comment est-ce que vous comptez le faire en public? Oh non. Allez, t'en fais pas. Je vais commencer, histoire de mettre tout le monde à l'aise. Je peux être deuxième? Bien sûr. Alors voyons. Monika tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête. Puis elle monte sur l'estrade. Ce poème s'intitule « Comme il vole ». Monika commence à réciter son poème. Sa voix claire et assurée emplit la pièce. Son intonation est impeccable. Elle donne vie au texte, sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle récite. Je me demande si elle a déjà fait ça ou si elle a un don inné. Je jette un œil autour de moi. Tout le monde a les yeux rivés sur Monika. Sayori a l'air ébahie. Le visage de Yuri a une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer. Enfin, Monika achève sa récitation. On applaudit tous les quatre. Monika prend une profonde inspiration et sourit. C'était vraiment super, Monika. Merci beaucoup. J'ai juste voulu donner l'exemple. À toi, Sayori, tu es prête? Je vais le faire. Yuri a l'air super motivé d'un coup. Se saisissant d'une feuille et de papier, Yuri se lève. La tête basse, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Yuri nous lance à chacun un regard anxieux. Tu vas y arriver, Yuri. Il s'intitule... Rémanence d'un œil pourpre. D'accord. La voix tremblante, Yuri commence à lire son poème. Quand je pense qu'il y a 5 minutes à peine, elle refusait de le faire. Qu'est-ce qui a bien pu la faire changer d'avis aussi soudainement? Après les premiers vers, sa voix se met à changer. Son visage a la même expression que quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots hésitants se transforment en syllabes assurées, lui donnant l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle. Dans sa structure, le poème regorge de circonvolutions, qu'elle énonce avec un rythme d'une précision impeccable. Circonvolution. J'avoue, je connais pas ce mot. En cet instant rare, on distingue toute la puissance du feu ravageur qui couve en elle. Puis, aussi soudainement qu'elle a commencé, elle se tait. Tout le monde est sous le choc. Yuri revient à la réalité la première et regarde autour d'elle, comme si elle s'était elle-même ensorcelée. Il faut que je fasse quelque chose pour la tirer de là. Je me mets à applaudir le premier. Les autres se joignent à moi pour offrir à Yuri une ovation amplement méritée. C'est pas qu'on ne voulait pas applaudir, mais elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire. Sous nos applaudissements, Yuri serre son poème contre elle et retourne à sa place d'un pas précipité. Yuri, c'était vraiment bien. Merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Yuri a l'air d'avoir du mal à s'en remettre. Ok, cette fois c'est à mon tour. Sayori saute de sa chaise et se dirige vers l'estrade d'un air enjoué. Ce poème s'intitule « Ma prairie à moi ». Ah. Pardon. Sayori. C'est bien plus dur que je l'imaginais. Comment vous avez fait pour y arriver aussi facilement? Ah. C'est te dire qu'il n'y a personne autour de toi et que tu es toute seule. Imagine que tu le récites à toi-même, un peu comme devant un miroir ou dans ta tête. C'est ton texte, et il courra beaucoup mieux comme ça. Oui, d'accord. Bon. Sayori commence à réciter son poème. Bizarrement, sa voix douce semble être faite pour réciter ce texte. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante. Il est serein, mêlant douceur et amertume. Si je l'avais tout simplement lu, je n'en aurais sans doute pas pensé grand-chose. Mais entendre la voix de Sayori le réciter lui donne une signification totalement différente. C'est peut-être pour ça que Sayori me disait qu'elle aimait mes poèmes.
J'ai l'impression de découvrir des facettes insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par cœur. Quand Sayori s'arrête, tout le monde l'applaudit. J'ai réussi, j'ai réussi. C'est du beau travail, Sayori. Même beau et à bien aimer. C'est bon signe, non? Ça veut dire quoi, ça? C'était parfait, Sayori. L'atmosphère de ce poème te convient à merveille. Ça dit, cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à d'autres textes. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. Il leur faudrait un peu plus de force pour les défendre. Selon ce que tu lis, bien sûr. Ah oui, je comprends. En fait, je me suis entraîné à ce genre d'exercice. C'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde. Alors la prochaine fois, je te ferai choisir un poème qui te demande un peu plus d'effort. C'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant le festival. D'accord. Bon, à qui le tour? Natsuki? J'ai pas envie de passer avant Blue. De toute façon, je vous arrive pas à la cheville. Alors autant laisser Blue baisser un peu le niveau avant que je m'y colle. Natsuki. Au moins c'est fait, hein. Ça me va. Hein. Bon, bah du coup, évidemment, j'ai pas autant de choix que vous. Du coup, entre mon poème dégueulasse d'hier et mon poème un peu moins dégueulasse d'aujourd'hui, je vais juste lire ce que j'ai écrit pour aujourd'hui. Je me lève et me dirige vers l'estrade. Tout le monde a les yeux fixés sur moi et je me sens terriblement mal à l'aise. Je récite mon poème. Comme je ne suis pas très sûr de la qualité de mon texte, j'ai du mal à y insuffler de l'énergie. Malgré tout, je me fais quand même applaudir quand je m'arrête. Désolé, c'était de la merde. Ne t'en fais pas. Pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Ça irait mieux dans quelques temps, tu verras. Si tu le dis. Bon. Il ne reste plus que toi, Natsuki. Ouais, ouais. C'est bon, j'y vais. À contre-cœur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Parce que c'est à ton tour. Bref, ce poème s'intitule « Saute ». Natsuki prend une profonde inspiration. Dès qu'elle commence à réciter son poème, son côté grincheux s'estompe un peu. Même si elle n'a pas l'air très enthousiaste, son poème a un bon rythme et des rimes travaillées. C'est tout à fait le genre de Natsuki et ça marche étonnamment bien quand elle le lit à voix haute. Donnant vie au texte, les mots semblent bondir dans tous les sens. Quand Natsuki se tait, tout le monde l'applaudit. Elle retourne s'asseoir d'un air bougeon. Tu vois, c'était pas si terrible. Facile à dire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt à me refaire ce coup-là. Alors justement, est-ce que tu te sens prête à réciter un poème en public? En fait, je pense que ça me serait plus facile devant d'autres personnes. Avec des gens que je connais pas, je peux me présenter comme je veux. Devant mes copains, par contre, c'est super gênant. C'est marrant ce que tu dis. Pour moi, je crois que ce serait exactement l'inverse. Oui, bah pour moi, c'est comme ça. Bon, du coup, tu n'as pas trop à t'en faire pour le festival. Bien, j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts. Je sais que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné une bonne idée de ce qui nous attend. Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord? De mon côté, je vais préparer des prospectus, alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. Ah. Je crois que je serais mieux de trouver un autre poème à réciter. Comme tu veux. Tu n'as pas besoin d'être de toi, d'ailleurs. Je suis déjà agréablement surprise des efforts que tu as fait pour le club. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, pas de soucis. Votre attention tout le monde. Bon, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord? Jusqu'ici, ça se passe bien, donc j'aimerais que ça continue comme ça. Concernant le festival, on finira de tout planifier demain, ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. Lundi, c'est le grand jour. Ah, j'ai trop hâte! Je peux y arriver. Je vais y arriver. Bon, je me lève. J'aurai jamais le même enthousiasme que Sayori et Monika, mais je vais faire mon possible, hein. Voilà, ça peut servir au club, et impressionner Monika et Yuri, je ferai de mon mieux. Sayori, on y va? Ok. Regardez-moi ces deux-là qui rentrent ensemble. C'est trop chou. Oui, ça va. N'exagérez pas non plus. N'empêche, ça doit être sympa. Je suis censé répondre quoi, moi, à ça, là? Tu sais, Blue, tu n'as pas besoin de répondre. Ouais. On y va, allez. Une nouvelle fois, je rentre avec Sayori. Bien que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, Sayori est un peu plus calme que d'habitude.
Dis, Sayori. Pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Quelle surprise. Je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure. J'aime bien quand on... Enfin, je... Sayori semble avoir du mal à trouver ses mots. Imaginons qu'un jour, Yori te demande de la raccompagner chez elle. Tu ferais quoi? C'est quoi cette question? Tu me mets un peu dans l'embarras, là. Je raccompagnerai Yori. Rien que d'y penser, j'en ai le cœur qui bat la chamade. Pourquoi? Je veux dire... Vu le mal qu'elle a à se faire des amis, je vais pas lui tourner le dos, si elle me le demande. Tu trouves pas qu'elle est belle, intelligente en plus? C'est quoi le rapport avec ce que je viens de dire? Tu vois, tu es d'accord? De toute façon, je vois pas l'intérêt de parler de quelque chose qui n'arrivera jamais. Peut-être. Mais ça m'amuse d'y penser. Tu n'auras bientôt plus besoin de moi, tu sais. Comment ça, plus besoin de toi? Sayori. J'ai du mal à te suivre, là. Désolé. On est tous différents. Personne au club peut te remplacer. Si tu le dis. La conversation s'achève et je me sens un petit peu mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle a... Pourquoi elle me pose des questions bizarres comme ça, là? Je vais pas lui mentir. Je vous ai sûr. Si quelque chose la rend heureuse, j'ai pas envie d'en priver. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai dit que je voyais pas l'intérêt de faire des spéculations inutiles. D'un autre côté, le festival est seulement dans quelques jours. Qui sait ce qui peut se passer d'ici là? Hyper pas le nord. Hyper pas le nord. Portrait de Markov. Expiation. Instabilité. Convoitise. Averse. Cimetière, ça me paraît pas mal. Ouais, voilà. On avait dit cage. Rémanence. Providence. Le temps. Déchirement. Analyse. Intelligence. Tragédie. Sensation. Tragédie, j'avais peur pour de faire sauter Sayori. Mélancolie. Ah non, mais mélancolie, je crois que... Aura, voilà. Oh, je sais pas. Ouais. Je me rappelle plus. Songe. Ténacité. Océan. Univers. Massacre. Ok, horreur. Philosophie. Yes! Et le succès, le perfect Yori. Il est là. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. T'inquiète, hein, je viens d'arriver moi aussi. Tu faisais encore du piano? Oui. T'es vraiment motivé, dis donc. Tu crées un club, t'apprends le piano. Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Je te rappelle que sans vous, ce club n'existerait pas. D'ailleurs, je suis trop contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être super. Hein? Je me souviens qu'hier encore, tu faisais la queue râler au sujet du festival. Ouais. Je parle pas de notre spectacle. C'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser, à manger plein de trucs délicieux. Tu me fais penser à ça, Yori, d'un coup. Monica, tu crois qu'il y aura du calamar frit? Du calamar? C'est ce qui t'intéresse le plus au festival. Oh, allez. T'aimes pas le calamar? Toi? Je t'ai pas dit que je n'aimais pas ça.
Et pourquoi tu insistes sur le « toi » ? Parce que... c'est dans ton nom. Mon Ika. Hein ? Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens sur dans une autre langue. Bref. Je propose qu'on se concentre un peu sur notre spectacle, d'accord ? D'accord, d'accord. De toute façon, les réactions de Yuri et Sayuri sont plus marrantes. Excuse-moi. Et elle est où, Sayuri, d'ailleurs ? Ah bah t'es là. Sayuri est assise à un pupitre dans un coin de la pièce. Le regard vide. Je vais la voir. Salut, Sayuri. J'agite la main devant son visage. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Hein ? T'es encore dans la lune. Ah. Désolé. Fais pas attention à moi. Tu peux aller parler aux autres si tu veux. Daijobu ? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas ? On dirait que t'es un peu ailleurs. Je sais juste savoir ce que t'as. Désolé. T'en fais trop pour moi. J'ai bien, je t'assure. Sayuri me fait un grand sourire. Je n'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres. Ok, ok. Si tu le dis. Je lui lance un regard inquiet avant de retourner voir les autres. La conversation s'est étiolée et tout le monde a repris ses activités habituelles. Je devrais aller demander à Monika si elle n'a pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayuri récemment. Vu qu'elle prépare le festival, elles doivent passer pas mal de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monika qui feuillette des papiers à son pupitre. Blue, qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais... t'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayuri récemment ? Chez Sayuri ? Comment ça ? Je me fais peut-être des idées, mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. Ah bon, tu crois ? Non, j'ai rien remarqué. Monika lance un regard vers Sayuri qui joue machinalement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent. Il y a peut-être quelque chose qui la tracasse. D'ailleurs, je m'étonne que ce soit toi qui me le demande et pas le contraire. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Ouais, mais elle est jamais comme ça. Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent. Là, quand je lui ai demandé, elle m'a envoyé balader. Désolé, je sais que c'est pas ton problème. Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose. Enfin, t'inquiète, c'est tout. Non, non. C'est important, tu as raison. Je suis aussi son ami après tout. Et puis, je veux que tous les membres de mon club se portent bien. J'aurais peut-être allé lui parler. T'es sûr ? Plutôt l'impression qu'elle voulait être seule. Tu crois ? Elle a peut-être plus de mal à en parler avec la personne que ça concerne. La personne que ça concerne. Doyuko Toda. Je veux dire que ce qui la cracasse... Je crois qu'en plus c'est Soyuko Toda et c'est pas du tout ça en plus. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que ce qui la tracasse, c'est peut-être bien toi, Bou. Moi. Et c'est quoi qui te fait dire ça ? Je voudrais pas en dire trop, mais... disons que Sayuri, elle parle beaucoup de toi ces temps-ci, tu sais. Ah. Elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle. Quoi ? Je comprends pas. Enfin, c'est Sayuri, quoi. Elle est toujours pétillante, c'est toujours une boule d'énergie, un rayon de soleil. Elle a toujours été comme ça. Non ? T'es mignon, Blue. Tu ne t'es jamais dit que si elle te semble toujours si gaie, c'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi. J'aurais peut-être mieux fait de me taire. Désolé, qu'est-ce que j'en sais après tout ? Peut-être que je me fais des idées. Oublie ce que je t'ai dit, d'accord ? J'essaierai de lui en parler. En attendant, on n'y pense plus. Ouais, d'accord, ok, super. Monika me lance un sourire entendu. Même si elle m'a dit de plus y penser, je sais déjà que je vais retourner ses paroles dans tous les sens. Monika se lève et traverse la salle jusqu'au pupitre de Sayuri. Je la vois s'agenouiller à côté d'elle et lui parler doucement. Mais sa voix est trop basse pour ce que je puisse entendre d'ici. Poussant un soupir, je m'assois. Je sais que Sayuri m'a demandé de ne pas m'inquiéter pour elle et de m'amuser avec les autres. Mais vu qu'elle a pas l'air d'aller bien, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour moi ? Pourquoi ça me mine à ce point ? Maintenant, j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement.
Enfin, de toute façon, je peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Pourquoi j'ai l'impression qu'on m'observe? Je jette un coup d'œil autour de moi. Soudain, je vois Yuri me regarder par-dessus son livre. Mais elle détourne aussitôt les yeux d'air troublé. Je réalise alors qu'elle n'y arrivera jamais comme ça. J'ai jamais vraiment vu Yuri aborder quelqu'un ou démarrer une conversation de son propre chef, donc bon, pas le choix, je décide de prendre les devants. Maintenant, ça m'est un peu plus facile. Je me lève de mon pupitre et je vais m'asseoir à côté d'elle. Je voulais pas te déranger. T'inquiète, t'as rien fait. Mais j'ai bien vu que tu voulais qu'on te laisse tranquille. Ah bon? Comment tu peux savoir ce que je pense? C'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Vu ta posture et ton expression, c'était assez évident. Mais je t'observais pas, hein. Je suis pas glauque à ce point. Non, mais t'as raison. T'inquiète, je sais pas. En vrai, t'as raison. Je suis désolé si je t'inquiétais. T'excuses pas. Tes problèmes ne concernent que ceux qui acceptent de les partager. Alors, évidemment, il y a ceux qui trouvent plus rassurant de les garder pour eux-mêmes. Sache simplement que si tu veux parler à quelqu'un de ce qui te tracasse, je t'écouterai volontiers. Non mais c'est pas tellement important, t'inquiète. C'est juste que je me tracasse un peu pour Sayori. Elle a pas l'air très très bien. Sayori? Ouais, elle a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Quand j'ai demandé ce qui allait pas, elle a rien voulu me dire. Du coup, je me demande s'il lui arrivait quelque chose, quoi. Ah. Est-ce que c'est romantique? Hein? Pardon. Excuse-moi, je dis n'importe quoi. Non, c'est juste que je veux pas que tu te fasses idée. Sayori et moi, on est copains depuis hyper longtemps, c'est tout. On est des amis d'enfance. Des amis. Amis. Je vois. Elle n'a peut-être pas l'habitude de t'envoyer sur les roses quand il s'agit de ses sentiments. Ou peut-être que j'essaye un peu trop de lire entre les lignes. Attendez, c'était Yuri bien, c'était bien. Oui, c'est ça. Oui, ça. Bien Yuri qui dit ça. Lou, ce monde regorge de messages souvent profondément enfouis. Chacun de nous recèle de nombreux mystères, même les gens qu'on connaît très bien. Tu veux dire que ça cacherait quelque chose? Je crois surtout que Sayori est quelqu'un de très complexe. Son comportement ne correspond pas forcément à ce qui se passe dans sa tête. Et elle ne sait pas toujours ce qu'elle veut. Moi aussi, j'ai remarqué son comportement bizarre aujourd'hui. Et je m'inquiète un peu pour elle. Mais j'ai l'impression que toi, tu n'arrivais pas à penser à autre chose, je me trompe? Un peu, c'est un peu ça. Ouais. Sayori, elle compte beaucoup pour toi, pas vrai? Oui, sans doute. Mais pas de la façon dont tu le laisses entendre. On est juste des amis. Yuri me fixe soudainement du regard. Son expression est à la fois gentille et curieuse, comme si elle cherchait quelque chose. Un peu gêné, je détourne le regard. Il arrive parfois que quelqu'un ne sache rien des mystères qui le hantent. Toi, par exemple, qui es quelqu'un d'honnête et d'attentionné, tu pourrais découvrir des sentiments dont tu n'irais tout jusqu'ici. En fait, je crois qu'elle serait vraiment chanceuse que tu ressentes ça pour elle. Yuri, je crois que tu te fais des idées. Hein. Je suis un mec simple. Je crois savoir déchiffrer mes propres sentiments. Et enfin, je suis loin d'être aussi sophistiqué que toi. Ah, c'était un compliment, ça? Prends-le comme tu veux. Enfin, si on lisait un peu. Eh bien, oui, si t'es d'accord, ça me va. Ça m'aidera à penser à autre chose. Votre attention, tout le monde. Au bout d'un moment, Monica s'adresse à tout le groupe. C'est le moment de partager nos poèmes, si vous le voulez bien. D'un coup, tout est revenu à la normale. Tout le monde prend son poème, moi compris. Je lance un regard à Monica qui me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a parlé avec Sayori. Oui, je l'ai très mal lu au niveau de l'intonation, oui. Bon, à qui on monte le poème? Bah tiens, vas-y, Natsuki. Ouais. Non merci. Mais t'as pas... Suivant. C'est pas mal, on va dire. Arrête, je vois très bien que t'aimes pas. De toute façon,
Mon avis n'est pas vraiment important. Après tout, tu as écrit ce poème pour quelqu'un d'autre, pas vrai? Sans doute pour Yuri. Hein? Non mais il est destiné à personne en particulier, hein? Peut-être. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais bon, c'est rien. Comme je l'espérais, tu te fais de nouvelles amies. Ça me rend très heureuse. Et toi aussi, tu es heureux, non? Dans ce club? Oui, bien sûr. Parfait. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci, Blue. Sayori, quelque chose ne va pas? Hein? Non, rien. Juste un peu fatigué aujourd'hui. Ok. Mais si t'as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Ça marche. T'en fais pas pour moi, d'accord? Tu peux aller discuter avec les autres maintenant. Bon, bah si t'insistes... Super. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sayori? Tu n'auras qu'à dire à Monica que je me sentais pas bien, d'accord? À demain. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, Sayori quitte la salle d'un pas guiré en fredonnant. À qui je monte mon poème ensuite? Bah Monica, tiens, comme ça on va lui dire « Ouais, au fait, Sayori est parti. » Salut, Blue. Tu as réfléchi au poème que tu vas lire lors du festival? Faire partie de ce club, c'est une chose. Écrire des poèmes, c'est une chose. Lire devant un public... Va falloir que j'y réfléchisse un peu. Ok, prends ton temps. Quoi que tu décides de faire, je suis persuadé que ce sera bien. Et ça me ferait plaisir de le voir. Enfin bref, regardons un peu ton poème du jour. Ok. Je laisse Monica prendre le poème que je tiens dans les mains. Et elle m'a pas montré de poème, Sayori, hein. Je viens de percuter. Ton style est devenu si raffiné, Blue. Yuri t'a appris beaucoup de choses, pas vrai? Oui, on peut dire ça. Ouais. C'est bien ce que je me disais. J'ai remarqué que vous passiez beaucoup de temps ensemble. Je crois que j'ai entendu prononcer plus de mots en deux jours qu'en une année entière. Je sais pas comment t'as fait, mais ça m'épate. En fait, je pense qu'il faut juste être patient avec elle. Elle a juste besoin de trouver une façon d'exprimer tout ce qu'elle a dans sa tête. J'ai encore un peu de mal avec elle, je t'avoue, hein, mais... Tu te donnes beaucoup de mal, en tout cas. Tu dois l'aimer beaucoup. C'est quand même vachement suspect, tu ne trouves pas? Tu passes ton temps avec elle dans la salle de club. Tu lis ce roman sombre avec elle. C'est juste que je trouve ça dommage qu'elle ait autant de mal à se faire des amis. C'est tout. Du coup, je veux m'assurer qu'elle passe pas tout son temps toute seule. Voilà. Et il est bien, le roman. Il est vraiment bien. Hein. Sympa. Hein. Ok, j'ai compris. Mais sois prudent, d'accord? Je sais que Yuri n'a pas l'habitude de s'ouvrir aux autres. Alors s'il arrive quelque chose quand elle est vulnérable, ça pourrait être très difficile pour elle. Ces livres ne lui permettraient pas de fuir totalement la réalité. C'est une bouée de sauvetage, en quelque sorte. Je dis ça comme si j'allais lui faire du mal. Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. J'imaginais plutôt qu'elle pourrait se faire du mal toute seule. Bref. Maintenant, je vais te montrer mon poème, d'accord? Ok. La femme qui sait tout. Un vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur Terre. La femme qui sait tout. Une belle femme qui a trouvé toutes les réponses. Un sens à tout, un but à tout. Tout ce que l'on n'a jamais pu chercher. Et me voici, une plume, perdue à la dérive dans les cieux, victime des courants aériens. Jour après jour, je cherche. Je cherche sans grand espoir, sachant que les légendes n'existent pas. Mais quand tout le reste a échoué, quand tout le monde m'a tourné le dos, il ne reste plus que la légende, la dernière étoile pâle dans le ciel vespéral. Jusqu'au jour où le vent a cessé de souffler, je tombe, et je tombe, tombe, tombe sans m'arrêter. Légère comme une plume sans encre, sans expression. Mais une main me saisit entre son pouce et son index, la main d'une belle femme. Je croise son regard à la profondeur infinie. La femme qui sait tout sait ce que je pense. Avant que je ne puisse parler, elle me répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé toutes les réponses, et elles ne riment à rien. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun but, et nous cherchons uniquement l'impossible. Je ne suis pas ta légende. Ta légende n'existe pas. Et d'un souffle, elle me renvoie à la dérive dans les airs, où je me laisse emporter par une bourrasque. Tu sais,
J'ai l'impression que l'apprentissage et la quête de réponse sont des choses qui donnent un sens à notre existence. Je n'essaye pas de jouer les philosophes, hein. Mais j'y pensais au moment d'écrire mon poème, alors j'ai décidé d'en faire mon sujet. Je vois. J'y avais jamais vraiment réfléchi. Dans un sens, c'est presque paradoxal. Parce que si on avait toutes les réponses, le monde commencerait à perdre tout son sens, non? Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Tous les membres du club préfèrent écrire des choses qui sont plus tristes que joyeuses. Ça t'étonne? Je veux dire, si tout allait bien, on n'aurait jamais vraiment de sujet à aborder, si. Les humains ne sont pas des créatures bidimensionnelles. Je pensais que tu le saurais mieux que quiconque. Unidimensionnel, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Est-ce que tu fais partie de ces gens trop timides pour partager leurs textes de peur qu'ils ne soient pas terribles? Ça peut être hyper décourageant d'être confronté à une réaction peu enthousiaste quand on s'investit autant dans un poème. Mais si tu rencontres d'autres personnes qui aiment écrire, le partage devient bien plus simple. Au lieu de se contenter de te dire que ton texte est bien, correct ou mauvais, ces personnes t'intéresseront davantage aux détails et aux choses à améliorer. C'est beaucoup plus encourageant comme ça, ça donnera envie de progresser. C'est presque comme si tu avais ton propre club de littérature, tu ne trouves pas? C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Et ben ensuite, on va montrer notre poème à Yuri. Blue, tes textes sont de mieux en mieux ces derniers jours. Tous les poèmes que tu m'as montrés sont tout bonnement exceptionnels. Je ressens parfaitement les émotions que tu transmets. Je serais presque jalouse, tiens. Je pensais pas que l'inspiration me soit déjà venue si naturellement. Je pense pas, pardon. Tu te trompes, Yuri. L'inspiration ne m'est jamais venue naturellement. Mais si j'ai réussi à m'améliorer autant, c'est grâce à toi. T'es un modèle pour moi. Ah bon? Yuri affiche un petit sourire satisfait. Tu sais, je suis ravi d'avoir l'occasion de partager mes poèmes. Je n'aurais jamais pensé que ça me ferait cet effet-là. Je me souviens que t'en as parlé hier. J'arrive pas à croire que t'aies jamais fait lire tes textes à quelqu'un alors que t'es vraiment super doué. C'est dommage, vraiment. Peut-être, mais ce n'est pas comme si j'avais eu le choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Yuri esquisse un sourire triste. Blue, le midi, je mange toute seule. Vous savez, c'est le moment idéal pour trouver un coin tranquille et bouquiner un peu. D'ailleurs, j'ai toujours des livres sur moi. On peut dire que j'adore la lecture. Enfin, c'est une façon de présenter les choses. Mais les livres sont remplis de personnages incroyables et passionnants. Des gens dont on a envie de tomber amoureux. Ou des gens avec lesquels on s'entendrait à merveille. Des gens joyeux, qui te donnent toujours le sourire. Ou des penseurs et des gens doués pour résoudre les problèmes qui découvrent les mystères de la vie. Alors, vu sous cet angle, je suis entouré d'amis au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Et ces amis ne se moquent pas de moi. Ils ne me taquinent pas quand j'ai la tête ailleurs. Ils ne se moquent pas de mon physique. Et ne détestent pas sous prétexte que je me comporte comme une madame je sais tout. Les gens disent vraiment ça de toi? Je suis pas une madame je sais tout. C'est tout le contraire en fait, je ne sais rien du tout. Je sais pas parler, comment parler aux gens. Je sais pas comment faire pour que les gens me voient comme une personne normale. Je sais même pas comment faire pour me rendre heureuse. Tous ces sentiments se bousculent en moi. Tout ce que je peux faire, c'est lire et écrire. Mais depuis que j'ai commencé à partager mes poèmes avec toi, j'ai vraiment compris ce qui m'a manqué pendant tout ce temps. J'ai pas vraiment fait grand-chose. Non, c'est faux. Tu es patient et respectueux. Ça compte énormément pour moi. Je sais que j'ai un caractère difficile, Blue. Je parle trop lentement, je me remets tout le temps en question, j'analyse les choses dans les moindres détails, mais à chaque fois, tu m'as toujours traité comme une personne normale. Tellement rare que je me sente à l'aise quand je parle à quelqu'un. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle avec toi, je suis vraiment heureuse. Je vois. Bah, je te traite comme tu le mérites, Yuri. Bah, c'est normal. S'il y en a qui sont pas de cet avis, ils peuvent aller se faire voir. Je rejoins le club en espérant me faire de nouveaux amis. Et je dirais que j'ai noué au moins une belle amitié. Pas toi? Si tu vois les choses sous cet angle... Connard? Oui? On est vraiment amis maintenant, hein? Yuri se tient la tête entre les mains. Mais cette fois, elle esquisse un sourire. Tu veux me montrer ton poème? Oui, avec plaisir. Je vais te le chercher.
Le fantôme dans la lumière, deuxième partie. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière, baignées d'ambre. Au loin, une lumière bleu-vert s'avacille. Une silhouette solitaire se glisse entre nous et obstrue cette lueur inquiétante. Mon cœur bat à tout rompre. La silhouette grandit, elle se rapproche pas à pas. J'ouvre mon parapluie pour me cacher dans l'ombre qu'il projette. Mais il est trop tard. Il entre dans la lumière du réverbère. Je sursaute et lâche mon parapluie. La lumière vacille, mon cœur bat à tout rompre. Il lève le bras. Le temps se fige. Le seul mouvement perceptible est la lumière ambre qui scintille sur son bras tendu, qui vacille au rythme des battements de mon cœur. Elle me taquine pour avoir succombé à cette émotion interdite. As-tu déjà entendu parler d'un fantôme capable de sentir la chaleur? Je ne cherche plus à comprendre et je ris. Comprendre, c'est surfait. Je touche sa main. La lumière cesse de vaciller. Les fantômes sont bleu-vert. Mon cœur est ambre. Lui, je connaissais pas, je crois. Il me semble que je le connaissais pas du tout. Ça me parle pas. Après avoir lu ce poème, je le tends à Yuri. Au lieu de le reprendre, elle regarde ailleurs. Tu n'aimes pas ? Si, bien sûr que si. C'est juste que je sais pas vraiment quoi dire. Les poèmes de Yuri sont généralement énigmatiques, mais j'ai eu aucun mal à deviner de quoi parlait celui-ci. Je sais pas si je vais arriver à expliquer ce poème. Non mais t'inquiète, j'ai compris ce qu'il racontait. Yuri a encore plus de mal à s'exprimer que d'habitude. Ce poème, il compte beaucoup pour toi. Yuri acquiesce. Je suis pas vraiment doué pour dire les choses, mais... Je suis content que tu m'aies fait lire ce poème. Alors merci. J'espère qu'on continuera à passer du temps ensemble. Même si Yuri ne me regarde pas, je vois un petit sourire apparaître sur ses lèvres. J'essaye une nouvelle fois de lui rendre le poème. Mais au lieu de le prendre, Yuri prend délicatement mes mains et les repousse vers moi. Je sais pas trop comment réagir à ce contact chaleureux. Tu peux... Ce poème est... Une fois encore, Yuri est incapable de faire une phrase complète. Tu veux dire que je peux le garder ? Yuri acquiesce. Ça me ferait très plaisir. Yuri esquisse un nouveau sourire, comme si elle ne voulait pas que je remarque. Avec toi, je me sens toujours bien. Je sais que je suis pas très doué avec les gens, mais... J'espère que je pourrai te rendre la pareille un jour. Oui, t'en fais pas, t'inquiète. Je trouve que tu débrouilles très bien. Yuri finit par se tourner vers moi. Bon, je crois qu'on devrait passer à autre chose avant que Monika fasse des remarques. Mais je suis sûr qu'on pourra continuer à discuter plus tard. Oui, j'en doute pas. Sur ce, Yuri me sourit timidement et je retourne à ma place pour ranger son poème. Votre attention, vous trois. Je crois qu'on a tous fini de lire les poèmes des autres. Et si on commençait à réfléchir à finir cet épisode? Ouais, parce que en vrai, vu que je vais faire un truc en mode quasiment tout full, voilà. Vu qu'il n'y a pas de lumière, je peux pas mettre la cam. Enfin, si, je peux mettre la cam, mais fond vert dégueulasse, quoi. Parce que là, il n'y a aucun éclairage. Voilà. Donc non. Bah écoute, la prochaine fois. Bon, par contre, à chaque fois, je sauvegarde sur un emplacement libre. Parce qu'on va passer par là. Je veux juste voir si on a des nouveaux trucs. Oui, on a de nouvelles images. Vous voyez, on a de nouvelles images. Oui, on a les... Ah bah oui, on a les nouveaux poèmes. Deuxième poème de Sayori. Oui, voilà. Du coup, on a les poèmes... Écrire un deuxième poème. D'accord. Mais d'ailleurs, on peut voir un peu... Parce que là, c'est quoi? C'est le premier poème de Sayori. Là, c'est le deuxième. Premier de Natsuki, premier de Yuri. Donc là, voilà. Là, ça, c'est des poèmes de Natsuki. Ça, c'est des poèmes de Yuri. Et ça, c'est ceux de Monika. Mais du coup, vu que c'est 1, 2, 3, il y a peut-être un ordre, effectivement. Bon, voilà. Illustration. Ouais. Secret. Les sacrés. Ok. Et donc oui, on a eu de nouveaux trucs, donc première esquisse de la première illustration, ok. Pendant le jeu poétique, écrire un poème parfait à Yuri. Ok, donc ça c'est pour le succès. À l'acte 1, écrire les 3 poèmes à Yuri. Ça c'est fait. ok, d'accord, mais du coup au moins ça nous permet aussi d'avoir des indications sur un petit peu comment on va débloquer certains des trucs. Et histoire annexe, compréhension entre Sayori et Yuri. Très bien, ça on verra ça plus tard pour le coup. On fera ça après. Parce que j'ai envie d'essayer de débloquer un maximum de trucs avant de les faire quoi. Est-ce qu'il y a eu du mouvement? Ah on est presque 2h40. Hein.
Il faut que j'essaye de faire le truc à 2h40 là. Non mais est-ce que... Alors attendez, j'en ai un 030. Tac. Je peux pas ouvrir. Veuillez réessayer ultérieurement quoi. 221 peut-être. Ouais. Parce que vous voyez, la date, elle se met à jour à chaque fois. Ça, c'est quand même bizarre. Ah oui, sachant que j'ai remarqué un truc, je sais pas si je vous l'ai montré. Je crois pas. Mais je peux sélectionner l'image. Mais je sais pas à quoi ça me sert. Je peux pas faire de clic droit. Hein. Je peux cliquer sur l'heure aussi. Hein, mais... Donc bon, voilà. On n'a pas débloqué plus de musique, pour l'instant. On n'a pas de courrier. Non. J'ai pas l'impression qu'il y ait des nouveaux trucs dans les fichiers. Donc bon. Ah oui, si, un truc tiens, que j'avais remarqué aussi, que j'avais fait le comparatif avec des DLC de base. Le poids des fichiers, c'est le même que dans le jeu initial. En fait. Donc je pense que c'est totalement voulu. Mais voilà. Bref, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour la suite de des DLC. C'était Blue, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour. Il est donc 2h40 et j'ai pu ouvrir le fichier qui est dans le 221. Grande ligne du projet. Présentation générale. 1. Créer une version humainement lisible des résultats de Fabric Benchmark, ce qui suggère qu'on vit dans un univers simulé. 2. Émuler les résultats de Fabric Benchmark dans un environnement virtualisé. 3. Mettre en place des paramètres pour des itérations génétiques. Accès de niveau supérieur personnalisé pour une ou plusieurs entités. 4. Recommencer jusqu'à ce que la simulation soit stable au seuil du temps ciblé. C'est notre petit univers simulé à tout à nous. 5. Observer les effets des accès connaissances de niveau supérieur de la simulation. 6. Recueillir et enregistrer les données. 7. Présenter les résultats à la hiérarchie comme étant rentable. Remarque, ne pas passer par Barry, voire directement avec la hiérarchie supérieure. 8. Obtenir une promotion. Nos jobs sont sauvés. J'avais peur qu'à 2h41 je ne sois plus disponible. C'est pour ça que je descendais le texte le plus vite possible. Membre de l'équipe possible, Ro, dispose de la plupart des accès / connaissances liées au Commander Quantum Server. CQS. Non, ça ne veut rien dire. Par contre, on ne parle pas de Rhea, et on ne parle pas de Paula. Ravi, l'âme damnée de Ro. D'accord. Et Lib, corrigez le problème de confusion de nom avec le dossier Lib. Yves, pourquoi pas. D'autres, peut-être. MV1, projet en cours, simulation à petite échelle. MV2, futur projet, simulation à moyenne échelle. Détail de MV1. Littérature égale production de texte pour faciliter le recueil de données. 4 entités, personnages. Espace physique de petite taille. Plus efficace pour les itérations serveur et génétique. Les permissions d'accès de niveau largement supérieur créent une fenêtre de connexion très stable pour le recueil de données. En contrepartie de scénarios simulés moins réalistes. Donc MV1, ce serait Doki Doki Literature Club. Et MV2 serait un prochain jeu qui serait... Qui aurait un but de faire développer le lore caché à plus grande échelle. Ok, ça commence à se connecter un petit peu en tout cas. C'est intéressant. C'est intéressant. Et là, j'ai plus le droit. Hein. Non, c'est... Oui, si, c'est là. Un bateau. Comment je trouve après? Parce que autant... voilà, clé d'accès trouvée jusqu'ici. Autant, voilà, on a ça. J'ai tellement de combinaisons possibles, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais du coup, ouais, il a fallu ouvrir le dossier à une heure précise. Ok, bah très bien. Écoutez, voilà. On aura appris un petit peu plus. Ouais, donc voilà, hein, je suis allé dans le 2-2-1. Évidemment, maintenant, on peut plus le lire. Hein, mais au moins, on aura lu ce qu'il y avait dans ce fichier texte. C'est intéressant, ça fait poser pas mal de questions. Mais j'ai hâte d'en savoir toujours plus. Bref, prenez soin de vous. Bye bye.